fait, je travaille pour l'association Zazimut et je suis en charge du village du Crussol Festival. Le village, c'est là où on va échanger, où on va se questionner, notamment sur les questions de l'environnement, du développement durable et de l'éducation, voilà, à travers des ateliers, à travers des spectacles et à travers des concerts. Donc le Crussol Festival, pardon, est un festival qui est organisé par l'association Zazimut, qui est à l'initiative de l'artiste Zaz. Et ce que souhaite Zaz, c'est de réunir les publics autour d'une thématique qui est celle de l'environnement et du développement durable. Donc l'idée, c'est de permettre aux gens qui doutent encore ou qui n'osent pas, de s'essayer déjà. On n'est pas là pour juger, mais on est là pour voir comment ensemble on peut faire bouger les choses. Et du coup, on est obligé, au vu des valeurs et des changements qu'on essaye de mettre en place, de nous-mêmes, en tant qu'organisateurs, se mettre en marche par rapport aux changements. Et donc, on se re-questionne sur notre manière d'organiser l'événement. Ça va aller des bouteilles d'eau, aux prestataires avec lesquels on travaille, à l'impression papier. Voilà, des petites choses qui, mis bout à bout, ne sont pas rien. Donc on n'arrive pas encore à changer toutes les lignes, on est en constante remise en question et on est également en constante évolution par rapport à ces questions-là. Depuis 2 ans, l'association Zazimut rassemble un réseau associatif d'associations ONG qui s'engagent sur leur territoire pour l'éducation et le développement durable. Donc ça, c'est l'objectif du village. Pendant la première édition, en 2017, le village était installé au pied du château de Crussol, à côté du théâtre de Verdure. Nous l'avons redescendu de la colline pour des questions de chaleur et de fréquentation. Donc sur le village, vous pourrez retrouver un certain nombre de structures qui sont engagées sur le territoire, des associations qui viennent bénévolement, mais aussi des structures comme l'Arche des Métiers ou la communauté de communes Rhône-Crussol. Pour nous parler de la biodiversité, on aura également la ville de Guilherand-Grange qui viendra nous parler du compost. Je voudrais aussi attirer votre attention, si je le peux encore, sur une conférence, une table ronde originale qui aura lieu le samedi à 14h. Il s'agit d'une table ronde atypique, participatif, où ensemble on se questionne sur les enjeux d'aujourd'hui, les enjeux sur le climat et du développement durable. Alors, ce qui est chouette sur l'édition de cette année, c'est qu'on peut vraiment s'inscrire dans un parcours de festivalier. C'est-à-dire qu'on peut arriver à 10h le matin sur le village, passer la journée sur le village, manger sur le village, profiter des spectacles, puisque nous avons à partir de 10h30 des spectacles pour les tout petits, hein, très jeunes publics à partir de 1 an, ce qui est une chance pour nous et pour les enfants. Nous aurons des spectacles familiaux, donc accessibles à tous sur le village. Et à partir de 18h, nous fermons les portes du village de manière à basculer tous ensemble sur le théâtre de Verdure pour faire la fête. Parce que s'engager, c'est bien, mais si on peut le faire de manière festive, c'est encore mieux. Du coup, pour sa 3e année, le village grandit et grossit puisque cette année, il accueille pour la première fois du spectacle vivant 100% local du vendredi au dimanche. Alors sur le village est gratuit et libre d'accès déjà pour tout type de public. Nous accueillons les gens le vendredi de 10h à 22h pour une inauguration festive du festival au village, donc avec un concert tout public avec le groupe local La Vache qui sortira son album à peu près à la même période. À partir de 18h, donc, nous pourrons basculer au Théâtre de Verdure et nous pourrons retrouver des beaux artistes comme Tikenja Fakoli, Goran Bregovic, Les Négresses Vertes, L.E.G., Camélia Jordana et tant d'autres que vous pourrez retrouver sur notre site web. Take a walk in my shoes and bring down the wall, and bring down the wall. Take a walk in my shoes.
en savoir plus, je vous invite à nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur le site internet, donc crusolfestival.com. Et vous y retrouverez toute la programmation des ateliers, les horaires des concerts, les horaires des spectacles, les horaires des temps participatifs, des rencontres, des débats, des cafés-conférences. Voilà, on vous attend nombreux au Crusol Festival du 5 au 7 juillet, avec une ouverture au village dès le vendredi soir. Rappelle-moi le jour et l'année, rappelle-moi le temps qu'il faisait. Et si j'ai oublié, tu peux me secouer. S'il me prend l'envie de m'en aller, enferme-moi et jette la clé. En piqûre de rappel, dis comment je m'appelle. Si jamais j'oublie les nuits que j'ai passées, les guitares et les cris, rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en vie. Si jamais j'oublie les jambes à mon cou, si un jour je fuis, rappelle-moi qui je suis, ce que je m'étais promis. Ces larmes sur mes joues. Et si j'ai oublié combien j'aimais chanter. Si jamais j'oublie les nuits que j'ai passées, les guitares et les cris, rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en. Rappelle-moi le jour et l'année.